Et bonjour à tous, c'est Mister Cyclisme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de la troisième étape du Critérium du Dauphiné. Alors je vais aller droit au but, je vais parler vite, vous aimez bien quand je fais ça, et donc là ça va aller direct. Donc alors, une étape remportée par Thibaut Pinot, mais avant ça, hein, des échappés, notamment Cyril Gauthier, Thomas Vauclair, Moreno Moser, Romain Di Gregario, je crois que c'est ça. Donc voilà, avec une étape donc remportée par Thibaut Pinot, une équipe FDJ qui a mené ce peloton d'une main de fer et qui a laissé aucune chance aux échappés. Le top 10 de l'étape avec Thibaut Pinot devant Pierre-Roger Latour, Arnold Jones en 3e, 4e Alexis Vuillermoz, derrière lui Sam Omen, 6e Kradok, 7e Dominique Nertz, 8e Romain Sicard, 9e Davide Villela et 10e Alexandre Geniez. Au général, ça donne Thibaut Pinot en jaune, devant Latour, ensuite Omen, Jenenson, Vuillermoz, Kradok, Nertz, Sicard, Geniez, Villela. Et ensuite, on a par exemple notre ami Pierre Rolland qui est très 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 loin. Malheureusement, il a bien foiré. Jean-Christophe Perrault fait 17e, donc voilà. Le maillot vert, Thibaut Pinot, la meilleure équipe, la FDJ, le grimpeur, Rémi Di Gregario, pas Romain, excusez-moi, et le meilleur jeune, Pierre-Roger Latour. Voilà, j'étais très explicite dans cette vidéo, pas d'hésitation. Le profil de l'étape, le voici, donc vous voyez, hein, j'ai tout mélangé, enfin bref. Le profil de l'étape, le voici, avec le col de l'Espédale à la fin, donc une étape qui était assez cool. N'hésitez pas à aller voir des rediffusions, hein, parce que moi je n'ai pas les droits d'auteur et je ne peux pas vous montrer l'étape malheureusement. Voilà les amis, c'était Mister Cyclisme, à bientôt.